mercredi 29 mars, un moment qui va égayer votre semaine car c'est le top 10. Vous êtes bien sûr Sissi, on est parti. Numéro 10. En 2013, il avait calé l'un des dunks de l'année face à Davin Davis, le Lorientais le sait et le laisse passer. Numéro 9. En revanche, lui ne laisse rien passer, c'est la philosophie d'Harry Dizzy. 9e place assurée du Martiniquais. À la 8e place, joli travail à l'intérieur de Raphaël Lopez. Bounce pass pour mettre deux Alsaciens dans le vent. Soumaoro à deux mains termine en conquérant. Numéro 7. Souffelbayersheim lance une contre-attaque éclair. Correia pour Fabian Harris à la retombée. KMB. Il décolle face à Chaland et malgré cette grosse finition, défaite du BCS à la maison. En 6e position, ce gars-là rend hystérique les fans de Saint-Vallier. Prends garde à toi quand il t'a verrouillé. Oh, que j'aime balancer son blast. Sad, Aden, Hussein. Numéro 5. Orchi, après 3 victoires consécutives, est en quête de points pour assurer le maintien. Le PCO peut évidemment compter sur l'ours monténégrin. Rakosevic prouve une nouvelle fois qu'avec 115 kilos à la pesée, on peut faire preuve d'agilité. Numéro 4. On reste bien installé dans les tribunes de la Davo Pével Arena. Kero calme un joueur de l'Union et lance le show. Paquet de popcorn en main, savourez cette passe de Geoffrey Verbeek. Passe magique dans le dos avec encore Zarco pour l'entraîneur de l'UTLPV. Cette fois-là, c'est trop. À la 3e place, décidément les joueurs d'Orchi ont décidé de squatter le top 10 de Court Cuts. Benjamin Smith choisit une cible et quand ça crosse, c'est beaucoup trop sévère. Sergent, on a un homme à terre. 77-70, victoire Orchi, fin du calvaire. Numéro 2. À 21 ans, Emmanuel Monceau effectue de loin sa meilleure saison. Il coupe dans la raquette et confirme en explosion. Essaye de contrer ça, juste essaye. Et Monceau te fera payer l'addition. Mais à la première place cette semaine, ce week-end, la photo du poster de Newson a choqué les réseaux sociaux. Voici la vidéo. Jared Newson. 10 cm de moins pour l'Américain qui vient allumer les 2-0-6 de Bendris. Je vais pas vous mentir, ça fait deux jours que je suis sous calmant. 94-80, ce derby breton voit s'imposer Lorient.